Bonjour à tous, c'est Célia. Je vous retrouve aujourd'hui avec la présentation d'un livre d'une pure beauté. Je l'ai adoré. C'est le guide créatif de la sorcière moderne. Apprenez à créer les outils indispensables à vos rituels de Molly Roberts. C'est un livre qu'on trouve aux éditions du Temps Apprivoisé. Je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez le trouver facilement. Et en fait, c'est un livre qui allie créativité avec sorcellerie. On va découvrir des charmes, des enchantements, on va découvrir beaucoup de choses à créer soi-même. Donc on est vraiment dans de la création manuelle. Et je l'ai trouvé très beau. Alors déjà, il est super bien réalisé. Je vous le montre juste comme ça. On a plein de petites explications très bien faites en noir et blanc. On a des magnifiques photos à l'intérieur. On a à chaque fois des pages colorées. En fait, quand j'ai eu ce livre dans les mains, je l'ai un peu feuilleté. C'est la première chose qu'on fait. On regarde un livre et ça m'a tellement donné envie de le découvrir, juste de le feuilleter. Je crois que je suis tombée amoureuse de la mise en page parce que j'ai eu l'impression de feuilleter un petit grimoire de sorcière. Et on est complètement dans cette énergie avec ce livre. Alors pour vous reprendre au début, on a toute une partie sommaire et on a une vingtaine d'activités qu'on vous propose de faire. Alors je vais pousser un petit peu tout ça. Donc vous allez avoir, je crois, 19 projets. Voilà, pour confectionner vos baguettes magiques, vos amulettes, vous allez pouvoir créer des petites peluches gardiennes. Voilà, on est dans cette idée en fait de création magique et sorcière pour vous, pour votre maison, pour vous accompagner. Et j'ai beaucoup aimé aussi tout le début parce que justement dans cette première partie, on a à peu près 22 pages. Donc c'est pas non plus énorme, ça va directement à l'essentiel et moi j'aime beaucoup ça aussi. C'est synthétique, ça permet d'aller directement à l'essentiel et on retrouve en fait qu'est-ce que la magie et qu'est-ce que la créativité. Comment est-ce qu'on peut allier les deux? Pourquoi l'art et la magie se rejoignent? Donc il y a toute une partie là-dessus que je trouve vraiment très intéressante sur le travail de l'art et ce que ça peut vous apporter. Utilisez l'art magique dans votre vie. Là on a tout un petit schéma pour vous expliquer que ça va vous permettre de par exemple on a la connexion ancestrale, on a la divination et le développement intuitif, la purification, le bannissement, le travail avec les rêves, la protection, l'embellissement du monde, le jeu, la joie, renforcer la créativité, la méditation, le rétablissement de la santé, les bénédictions, prospérité, etc. etc. Et ce que j'ai trouvé vraiment très bien fait, pour créer vos petites amulettes, pour créer ce que vous allez vouloir créer, il va falloir comprendre un petit peu le sens de ce que vous faites. Et elle vous explique ici tout un tas de choses, elle vous explique le cheminement pour que vous puissiez vous-même choisir ce que vous allez confectionner, où vous allez le placer dans votre maison, où est-ce que vous allez, pour quelle utilité également, comment choisir les ingrédients qui vont le composer, et ça j'ai trouvé ça super. Donc ici par exemple on a formulé des charmes avec succès, on vous explique d'abord faire votre souhait, les médiums, c'est-à-dire les choses que vous allez, avec quoi vous allez réaliser vos amulettes, quels sont les outils, les objets, la forme qu'elle peut prendre, l'emplacement dans votre maison et la destination. Donc c'est vraiment bien fait, ça vous explique tout le cheminement en fait pour réaliser vos charmes. Et ensuite on a aussi les matières à utiliser, pourquoi utiliser telle matière, qu'est-ce que ça va vous apporter. On a par exemple ici, vous voyez les couleurs, si vous choisissez d'utiliser telle ou telle couleur pour votre baguette magique, ça va plutôt vous apporter ça. Par exemple, on va prendre l'orange pour fortifier la force vitale, encourager les nouvelles aventures. L'appétit sain et la souplesse mentale, améliorer la mémoire, suscite la créativité et bâtir une communauté de bon voisinage. Donc voyez, vous allez pouvoir choisir votre couleur en fonction de vos besoins, de vos aspirations pour vos amulettes, les symboles que vous allez mettre dedans en tant qu'image, les images, les glyphes, les saisons aussi, si vous souhaitez réaliser certaines amulettes en fonction des saisons, utiliser des plantes de saison.
On a aussi le jour, les jours qui sont importants, comme les anniversaires, les naissances ou les morts, les jours de fête, les nouveaux commencements, les jours fériés. On a les phases de la lune, donc on a toute une explication sur comment choisir la bonne phase de la lune, et même les jours. Par exemple, le lundi va être propice aux émotions, aux rêves, aux cycles, à l'eau, à l'éducation et à la maison. Donc on a tout un petit guide comme ça qui vous permet de réaliser vos charmes en pleine conscience et en utilisant tous les outils que vous souhaitez utiliser. Ici, on a les éléments de la terre, de l'air, le feu et l'eau. On a l'éther également. On a tout ce que vous pouvez utiliser pour créer un espace sacré. Pourquoi faire un espace sacré? Pourquoi le purifier? Qu'est-ce que ça va vous apporter? La visualisation, bénédiction, invocation, créer son autel. Rituel pour éveiller la sorcière créative qui est en vous. Alors, moi j'avais vu, j'ai dû le passer, j'ai vu quelque chose aussi autour des plantes, si je ne me trompe pas. Là, c'est le contexte dans lequel on crée les couleurs, les symboles, donc les images. Je ne sais plus où c'est, mais je sais qu'il y a une petite partie justement avec l'utilisation de telle ou telle plante. Voilà. Et là, on arrive directement au projet. Alors, le premier projet qu'on vous propose, c'est de créer un oracle divinatoire pop à base de petits osselets un petit peu. Vous allez pouvoir ici récupérer des dominos, poncer le haut des dominos, mettre des petites images, voyez, à la place des dominos ici, et puis faire votre propre oracle en le peignant. Donc, on vous met, à chaque fois, c'est toujours pareil, on vous met qu'est-ce que c'est qu'on vous propose de créer, donc une petite explication ici sur les oracles. Ici, on vous propose même des petits messages à inclure dedans. Et là, on a toujours la liste du matériel. Donc, on a par exemple un domino ou des formes en bois, du papier de verre pour pouvoir poncer, des images de magazines ou des images imprimées ou des dessins, ciseaux, vernis colle, pinceaux, résine époxy incolore, gobelet jetable, bâtonnets de bois, gants, pipettes en plastique, journal, paillettes et bombes de peinture. On va vous proposer aussi de réaliser un tapis pour lancer vos dominos, mais non, votre oracle. Donc voilà, elle vous propose après de confectionner un petit tapis. Donc pareil, on a la liste. Et chaque étape, vous voyez ici, on a vraiment une étape, des étapes qui sont très claires, avec à chaque fois un petit dessin pour vous montrer quoi faire et comment faire. Et ça, je trouve que ça fait toute la magie en fait de ce livre, parce qu'on a envie de plonger dedans, c'est visuel, c'est bien fait. Et on a ces petits dessins en noir et blanc qui font très grimoire aussi, donc je trouve ça très très chouette. Alors celui-là, j'ai très envie de l'essayer, c'est le globe pour un second souffle. Ah oui, c'est dans celui-ci qu'on retrouve les plantes. Alors voilà, par exemple les ingrédients pour un second souffle, on va vous proposer en fonction de l'utilisation de votre globe d'ajouter à l'intérieur par exemple pour la purification des feuilles de laurier, du bouleau, de la sauge, de la bardane, de la lavande. Vous faites votre choix bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Hein. Pour un bannissement, vous allez prendre du poivre, de cayenne, de l'angélique, du poivre noir, de l'ail, etc. Vous avez une proposition pour la rapidité et l'activité, pour dissiper la négativité, pour surmonter les obstacles et pour édulcorer. Voilà, donc on a à chaque fois des propositions qui vous sont faites pour rajouter à l'intérieur de votre propre réalisation, de votre propre confection, en fonction de l'utilisation que vous souhaitez en faire personnellement. Donc je trouve ça très chouette, en plus je trouve ça très joli, j'aime bien ce petit côté vintage bohème. Un miroir pour interroger l'avenir. Un vieux grimoire pour noter ses idées. Elle vous propose de faire ça avec du papier craft. Je trouvais ça très sympa comme idée. Un tampon pour faire des sceaux. Et elle vous explique comment faire vos sceaux. Vous voyez les techniques des sceaux pour créer votre propre sceau. Donc c'est chouette. On vous propose vraiment de vous accompagner du début jusqu'à la fin de votre activité créative. Flamboyante peinture arc-en-ciel.
Le mandala pour une récolte abondante. Donc là, vous voyez, on utilise des pâtes, des graines pour faire un mandala. Je trouve ça très chouette. Il y a vraiment cette idée d'utiliser des matériaux qui sont en lien avec ce que vous souhaitez obtenir. Donc on est vraiment dans la création de sorcières, parce que c'est complètement ça, quoi. Rien n'est laissé au hasard, tout est pensé. Et en même temps, on vous dit de pas non plus trop vous prendre la tête, hein, que le but c'est aussi de vous amuser, de passer un bon moment. Un mobile de manifestation en losange. Statue pour honorer ses ancêtres, je les trouve très jolies. C'est fait à partir de petites bouteilles. Une boîte à hôtel pour le Genius Loki, c'est le génie de votre maison, c'est le petit esprit de l'esprit du lieu. Et je le trouve magnifique. Ce qu'elle a réalisé, elle, je trouve ça trop, trop beau. C'est vraiment super, vous voyez, il y a une petite tête ici, il y a un petit nid en bas, c'est vraiment beau. Un tissage de guérison. Donc là, on vous explique comment faire plusieurs formes de tissage avec plusieurs matériaux différents. Donc j'aime bien aussi l'idée d'avoir des déclinaisons. Incubateur pour œufs à rêve. Drapeau de bénédiction. Donc ça, on connaît déjà un petit peu. C'est chouette de pouvoir les réaliser par soi-même, je trouve. Ravissante perle enchantée. Donc ça peut être aussi, pourquoi pas, quelque chose que vous pouvez porter sur vous. Un charme, une amulette à porter sur vous. Flacon à potions pour les soins personnels. Luminaire luxe. La baguette de sorcière. Et là, on vous explique quel bois aussi choisir, vous avez la signification magique des bois, la signification magique des métaux, des pierres également, pour pouvoir justement orner aussi votre baguette en fonction de ce que vous souhaitez, l'intention que vous souhaitez lui donner. Donc vous allez pouvoir choisir le bon bois, le bon matériau, le bon métal peut-être à y ajouter, ou une pierre si vous souhaitez en ajouter une. Une peluche de gardien personnel, donc ça je trouve ça très très chouette et c'est une super réalisation à faire avec les enfants quand ils ont peur du noir. Ça peut même un gris-gris hein, pour un enfant un peu timide aussi qui a des petites angoisses et des petites peurs, un petit gris-gris à faire avec lui, à glisser dans sa poche pour aller à l'école, c'est vraiment très très intéressant à faire. Pour l'avoir testé, je peux vous dire que c'est vraiment très chouette. Voilà, et à la toute fin, donc là vous avez l'amulette en papier découpé, c'est la dernière activité. Et juste après, vous avez aussi des patrons, par exemple, pour... ici c'est le patron pour faire la peluche, justement, du gardien personnel. Voilà, donc on a à la fin un à propos de l'auteur. Et vraiment, j'ai adoré, je l'ai trouvé non seulement très beau, plein d'idées. Je trouve que tout y est dans ce livre. Vous avez vous retrouvez la symbolique des pierres, des bois, des métaux, des jours de la semaine. Vous avez vraiment un guide qui est très complet pour réaliser vos propres créations. Donc j'ai vraiment... C'est vraiment un très très gros coup de cœur ce livre. Hein. Vraiment, je l'ai adoré. Voilà, donc pour celles qui aiment faire des choses créatives autour de la magie, ce livre est parfait pour vous. Sur ce, je vous souhaite une belle journée créative et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous, bye bye !